Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. Aujourd'hui on se trouve sur Stupid Raft Battle Simulator. Donc en gros, mettez un petit jeu d'action avec Gang Beast. Du coup ça donne ça, donc c'est une early access pour le moment. Le jeu a été greenlighté il y a très peu de temps. Je crois que ça fait même pas un mois qu'il a été greenlighté. Il est disponible sur Steam à 12,99€, donc on va le tester. On peut pas malheureusement, là j'ai essayé de faire une partie en ligne, de lancer tout à l'heure. Il n'y a pas assez de monde pour le moment vu qu'il est passé sur Steam très récemment. Il n'y a pas assez de monde, donc du coup on va partir sur du offline. Alors, on va partir sur celui-ci. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Regardons tous ensemble. Alors, ici, on a Denis Brognard en haut avec sa hache et ses petites flammes. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, personnellement, c'est typique du Gang Beast. Hein. Quand on regarde les personnages, on dirait trop des personnages de Gang Beast. Donc, du coup, on est sur un lac. On va devoir mettre une troupe ennemie et attaquer, enfin une troupe alliée du coup pour nous, et on va devoir attaquer les ennemis. Donc je vais vous montrer un petit peu, on a un peu le mec qui pagaie, le mec avec son arc. Ah bon bah d'accord, lui il est déjà par terre. Bon bah ok, moi ça me va hein. Ah mais moi ça me va. Si on a déjà des ennemis crevés, c'est très bien. Donc on va commencer à les placer. Je vais les placer en face. Si je vais faire ça. On va se mettre ici. Juste dégoûté. En fait, je suis juste dégoûté d'un truc à la base. Quand j'ai eu le jeu, je pensais que c'était un Gang Beast. Mais genre, en fait, qu'on pouvait se mettre sur le bateau. Et qu'on pouvait les attaquer. En fait, leur foutre des coups de pagaie dans la tronche et tout. Et je pensais que c'était ça. En fait, pas du tout. On doit faire sa petite armée. Et après, les laisser se battre. Donc, on va placer ça tout de suite. Alors, attends. On va mettre... Ah ouais, là, attends, on a les poissons qui poussent, hein. Ça rigole pas. Écoute, je pense qu'on va faire... J'aimerais bien... Attends, déjà je vais reculer mon petit pote. Hop, pas que je me trompe de touche. Tac, 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 tac. On va déjà commencer par là. Donc, c'est parti. Alors, non. Caméra, tu te trompes. Voilà. Donc, hop, on va mettre... Là, il y a des mecs qui pagaient. Je les mettrais bien devant, tu vois. Ouais, ça va, hein. Ici, pareil. C'est quoi qu'on... qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est des archers, c'est quoi? C'est quoi, les mecs? On va regarder. Alors... Ah, c'est des archers, c'est ça. Bon. Alors, techniquement, est-ce que les archers font plus mal que les mecs qui tirent au gun? Je me pose la question. On va voir, de toute façon. Ça, c'est cool, c'est des poissons qui poussent le bateau. Donc ça, c'est excellent, dis donc. Dis-moi donc. Pourquoi je peux pas? Can place here to close... Oh, ça va, eh oh, ça va, on a le droit de rigoler. Bon, alors ensuite, on va se déplacer, on va se mettre après... Oh la vache, eh, il y a du monde ici, hein. Tu me dirais, il y a trois pèlerons, sans déconner, ils sont tombés. Tant mieux, moi, ça me va. Voilà. Oh, j'ai regardé un truc, là, avant de lancer le règle, je regardais les pires histoires de Disney... Oh mon dieu, en fait c'était sur une chaîne et ça racontait en fait que les Disney ne reprennent pas parfois l'histoire originale des vieux livres. Et en fait genre la Belle au bois dormant, ça m'a traumatisé, genre son histoire à la base, quand elle tombe dans un sommeil profond, bah dans le Disney il y a le prince qui l'embrasse, blablabla. Alors qu'en fait dans l'histoire originale du livre, en fait vu que le prince n'arrive pas à la réveiller en l'embrassant, il décide de la violer. Et il lui fait deux enfants, deux jumeaux. Et du coup, l'un des deux jumeaux aspire en fait le poison qu'elle avait, donc le pic là. Et elle tente de retrouver le prince pour être avec lui. Sauf que manque de peau, le mec il s'est marié. Et il décide de faire cramer les jumeaux. C'est quand même flippant, hein. Il décide de faire cramer les jumeaux et à la fin il tue la Belle au bois dormant. Donc la grosse histoire bien gay quoi. Quand j'ai vu ça, je fais ok d'accord, allez bonne année. Pareil pour Pinocchio, genre Pinocchio c'est un gros fait de la vie à la base. Il fait tuer, je crois qu'il fait, je sais plus s'il fait arrêter ou tuer Geppetto. Enfin le truc, on voit que c'est Disney quoi, ils ont fait un joli truc. Pareil pour Peter Pan, il y a des histoires bien glauques. Je me suis dit allez vas-y, ah c'est bon on va pouvoir placer les mecs. Donc là, ah eux ils peuvent foutre des coups de pagaie, ça peut être pas mal. Donc attends, on va mettre des archers. Un ici. Je réfléchis. Hein. Un ici. C'est quoi ça? Ah, ils ont des pics. Attends.
Je réfléchis. Parce que là, on a quand même un gars. Donc, j'aurais mis plutôt... Ouais, un flingue. Un flingue ici. Hop, des petites lances. Un mec avec une lance ici. Et il y a le bateau qui va couler. Je te jure, ça va couler, je le sens. Donc ensuite, on va mettre... attends, je regarde comment c'est fait. Oh! Attends. Attends, coup de pagaie. Dans la gueule. Est-ce que je peux mettre un autre mec, genre? Oh, je peux mettre un autre mec dessus, c'est excellent. Ok. Donc, ensuite... Ah là, c'est là, à partir de là, qu'il va falloir que je foute du monde, là. Donc là, c'est parti. Gun. Oh là, le bateau, il commence à légèrement couler. Ça coule, c'est léger, mon capitaine. Alors, tac. On en met un autre ici, c'est pas grave. What? Attends, merde, on se met dans la merde, là. Oh! Attends, ça part direct! Qu'est-ce qui se passe? Musique, elle a... Oh là. Oh là là. Musique à la Pirate des Caraïbes. Ça part direct, en fait, y a pas de genre tu lances. Oh la vache. Eh, c'est bon, pour le moment, on est bien. Allez, vous pouvez le faire, là. T'as l'autre, il passe sur le bateau et tout, Osef, quoi. Allez, on s'en fout. Oh là là. Oh, ça va, la troupe arrive. Yeah, ils arrivent. C'est passé. Yes. Oh là là, c'était beau, c'était Thibaut. Oh là 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 là, c'était magnifique. Alors attendez, on va retenter encore. Oh, c'était... Eh, on a géré. Donc, on va faire la suite. Ah d'ailleurs, en fait, la fois dernière, je vous ai demandé du coup pour les Sims, si vous voulez que je continue la vidéo juste pour la maison en rec ou hors rec. Et le hors rec l'a remporté. Donc du coup, je pense que quand maintenant je vais faire des petits sondages comme ça, je vais placer une fiche sur la vidéo. En fait, il y a un petit point... c'est un point d'interrogation ? Non, c'est un point d'exclamation, je crois. Il y a un point d'exclamation. Et vous pouvez cliquer dessus et ça vous met un sondage, en fait, ou les vidéos du moment, etc., etc. Donc, je pense maintenant que quand je vais faire les sondages, je vais vous embêter à marquer. Vous allez juste ouvrir, en fait, la fiche qu'il y a sur le côté. Je vous préciserai à ce moment-là. Et, bah, du coup, répondre au sondage et ça m'aidera à savoir un peu mieux. Et vous, ça vous fera moins chier. Donc, du coup, c'est parti. On commence. Alors, on va les éclater. Ah là, franchement, on était trop bien. Je n'ai plus peur. A few moments later. Oh là là. Attention, ça part, c'est parti, ça part. Ah non, mais attendez. En fait, les mecs, quand ils tirent les canons, en fait, c'est un coup, quoi. One shot et basta. Ah bah là, c'est foutu, je suis terminé. What? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait, Polo? Ah, il est mort. Non, mais là, je suis cuite. Ah ouais, mais là, je suis morte. Là, je suis foutu, là. Ah bah là, ça a été très mal joué. J'avais pas fait attention que quand tu tirais un coup avec le canon, bah c'est un coup quoi, basta, après ça dégage. Du coup, vu que j'ai privilégié les canons sur cette map, voilà c'est ça, fuis, t'as raison. Y'en a, il fait quoi là-bas? Moi je suis en RTT. Essayez de les couler à la limite les mecs. Coulez-les. Non. J'ai mal joué là. Dégoûté. Attendez, on va refaire. On va refaire et là cette fois-ci c'est la victoire. Cette fois-ci, on est bien. On va mettre un petit peu de troupes ennemies ici. Allié, pardon, pourquoi je dis ennemi, ça n'a pas de sens. Donc, bim, du petit bateau. J'ai de la place. Voilà. Donc ensuite, après, c'est plus par là-bas hein, que ça commence à pêcher. Donc là, on va mettre... Allez, concentration. Tac. Normalement, ça devrait aller. Petit bateau, là. Il faut que je mette des mecs, tu sais, genre qui poussent. Qui te mettent des gros coups, tu vois. Les gros coups de pagaie ou je sais pas de quoi là. Est-ce que je peux mettre... What? It's been a long day. Non, attends! Non, mais attends, là, c'est quoi ce bordel? J'ai pas... Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de me pousser tout... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, mais attends, ça, t'as pas le droit ça. Je pose 2 secondes un gars, ça y est, c'est la fin du monde, n'importe quoi. Donc bon, écoute, on va mettre des mecs qui vont tirer au gun, hein. Et là, coup de pagaie dans ta gueule. Ah bah non, ça ne l'a pas pris la pagaie. Allez, on va voir, est-ce qu'ils tirent mes champions? Allez, les champions, allez. Oh la vache, merde, il y en a un qui est tombé à terre.
Il est en train de tomber à terre, ils sont pas bons là. Ça va, pour le moment on est en supériorité numérique. C'est bon là, pour le moment on est bien. C'est bon ça, la troupe d'archer elle est bien. On va l'appeler la team Green Arrow. Là c'est bien barré pour aller, mon champion. Tu peux le faire. Vas-y, il y a les mecs là-bas. Est-ce que c'est bon là pour le moment, ils sont tous à terre? Ok, les bateaux font n'importe quoi, c'est pas grave. Oh là là, la populace qui a, vous allez manger. Oh mais c'était magnifique. J'ai envie de te dire, c'était magnifique. Je le savais. On va essayer de partir sur le play, tout simplement. Et on va essayer de rejoindre une partie en ligne. J'espère que ça va marcher, ça va être cool. On va voir. Tout à l'heure, il n'y avait personne, donc du coup, je ne pouvais pas lancer le petit game. Écoute, on va faire comme ça. Voilà. Hop. Ah merde. Attends, ils partent dans ce sens-là. Ça veut dire que moi, j'étais de ce côté-là. Attends, je fais des bêtises. S'il te plaît, on peut faire marche arrière, s'il te plaît. Bon, on part par là, dans ce cas-là. Oh, ça va partir en cacahuète, hein. Merde. Non. Mais non. Ça, c'est dégueulasse. Du coup, j'en ai perdu un. J'ai perdu en efficacité. Merde. Écoute, on va mettre un... Bang. Bang. Non, mais... elle a... je sais pas quelle équipe de branle... hein, ils sont nuls. Non, mais... ah, ça, il est en train de mettre. On voit. Il est en train de placer. Ouais, mais attends. Il est en train de placer par rapport à moi, le salaud, là. Donc, est-ce qu'il voit ou pas ce que j'ai placé, moi, précédemment ou non, il est l'aveugle comme moi. Attends, le mec, il part sur un truc tout en diagonale. Je sais pas ce qu'il a prévu. Hein. J'ai aucune idée de ce qu'il a prévu. Mais attends, il va m'encercler ou pas? Parce que je commence à flipper un peu. Je commence un peu à paniquer, je te l'avoue. Bon, là, ça va. Techniquement, ils sont en infériorité numérique. Si le mec, d'un seul coup, me fait pop tout le monde, voilà. On est dans la merde. Ça y est, il fait venir tout le monde. Ah oui, non mais attends, pour le moment, c'est vrai. Il fait venir les bateaux, les structures, machin. J'espère qu'il va faire tomber un gars à la flotte comme moi. Comme moi, ça m'est arrivé. Pour le moment, il met que des mecs avec des bateaux. Hein. Alors que moi, je privilégie justement les grosses structures. Donc on va voir justement ce qui paye le plus. Est-ce que c'est plus les structures ou pas? On va voir. Ah non! Des archers! Et il a compris. Hein. Il a tout compris. Hein. Pour le moment... mais et là, quand tu regardes mon équipe, j'ai l'impression que je vais le dégommer. Je parle un peu trop vite, peut-être. Oh, il sort les pagaies! Il va me mettre des coups de pagaies! Ah, s'il met que des pagaies? Attends. Non, il les met quand même à l'avant. Attends. Il faut que j'apprenne. Au niveau des techniques. Oh, ça y est, c'est parti. Oh là 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 là. Oh, il a toute une équipe entière. Ok, ça va. Pour le moment, ça va, je vais bien. Vas-y, il faut que je les fasse tous tomber. Ah, yes. Yes. Pour le moment, c'est bon, ça va. Pour le moment, ça va. C'est bon. Oh là 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 là. On va gagner, les mecs. Oh là là. Le mec, ce qu'il a mis au loin, il t'a mis une flèche à la haro. Le mec, il a mis un de ses trucs. Bon, allez, on se refait une dernière partie, puis on arrête là. Ah, c'est vraiment excellent. Oh, je suis contente que ça ait marché, là. Écoute, moi, je pense avoir trouvé la meilleure technique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Là, par contre, je suis un peu con. J'ai trop avancé. J'ai pris trop de confiance d'un coup, là. Bon, c'est qu'une alpha pour le moment. Donc, le jeu, c'est un peu comme Gang Beasts. Hein. Gang Beasts, le online était une alpha. C'était pas ça au début, c'était bourré de bugs, on pouvait même pas rejoindre les serveurs et là c'est super stable donc ça va. Par contre il faut peut-être que tu avances un petit peu Kiki, dis-moi d'où. Voilà. Ils sont tous en train de se pousser comme des kékés, arrêtez. Allez, il va faire comme moi, hein. Il a vu ma technique, le mec il est pas con. Hein. Il va faire attends, tu m'as eu une fois ma cocotte, pas deux, d'accord. Donc, vas-y. Ah. Mais non. Mais attends, dans le sens où ça se place, what the fuck. Lui, il joue le bateau, hein. Il joue le bateau, sans hésiter. Sans aucune hésitation, il joue le bateau. Est-ce que là, je vais win ou est-ce que je vais perdre? Telle est la question, on va le voir. Mais la façon dont ça pop, les bateaux, j'arrive pas trop à comprendre. Il devrait y avoir une section où ça dit, vous êtes l'équipe verte, et tu vois, il y a une zone où on doit se placer. Pareil pour l'équipe adverse, pareil pour l'autre, en fait. Et là, du coup, c'est un petit peu embêtant parce que ça fait pas du tout comme ça. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Je fixe un peu le gameplay du mec. Le mec, il doit être... ça me fait trop parce que j'imagine le gars derrière son écran concentré en mode « Vas-y, très bien, clic droit, clic gauche, vas-y, c'est bon, je suis concentré. » Il y a les miens, ils partent au fond, mais qu'est-ce qu'ils font, l'équipe rouge? Qu'est-ce qu'ils foutent?
Oh le bordel. C'est toujours comme ça dans Koh-Lanta d'ailleurs, t'as toujours l'équipe rouge qui est loin, loin, loin. Ça, ça va me faire perdre des points, ça. Ils sont en train de partir, qu'est-ce qu'ils foutent? Quoi, qu'est-ce qu'il fait lui? Michel! Mais pourquoi il est en train de se dorer la pilule? Attends, me dis pas qu'il est déjà mort ou un truc comme ça, parce que c'est bon, hein. C'est vraiment buggé, hein, sur certains trucs, hein. Oh, ça y est! Oh, il y a un mec qui s'est fait éjecter! Putain, il y a la tourelle qui part en cacahuète et tout! Oh là 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 là! Oh, ça va, ça va, ça va. Pour le moment, ça va. Je me débrouille bien, je me débrouille bien. Oh là là! Oh là 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 là! Ça va, ça va, je crois qu'il reste plus que cette équipe là, donc ça va, ça va, ça va. Yeah! Mais j'ai envie de vous dire, qui arrivera à vaincre Kiki? Bon bah je pense que du coup on va s'arrêter là. Je pense sans déconner que Kiki devient imbattable à ce jeu. Qui arrivera à surpasser Kiki? Au cas où, si toi d'ailleurs ton écran tu possèdes le jeu ou que tu le veux, tout est listé en barre d'infos. Il y a aussi, tu peux m'ajouter aussi dans ta liste d'amis de toute façon, donc ça c'est pas un souci. Au cas où si tu veux m'affronter, il n'y a pas de problème pour ça. Donc on fera une prochaine vidéo sur ça. En tout cas, je suis contente, pour le moment je n'ai pas perdu. J'ai eu une défaite offline et 3 wins en tout, dont 2 online. Donc voilà. Donc attends, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Attends, je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.